Moi, je ne suis pas là pour me faire voir. Ça, c'est un. Je ne suis pas là pour parler juste pour diviser les gens. C'est pas ça. J'aime la Guinée. Et je vais me battre pour que la paix et l'union rentrent entre nous. Je vais me battre pour que l'injustice qui n'est pas juste au pays, pour ça, je vais me battre pour les gens qui ont longtemps manipulé les Guinéens. Je vais me battre contre eux. Même si c'est mon frère de sang ou bien ma sœur de sang, tu es dedans, je vais me battre contre toi. Parce que tout simplement, je veux voir les Guinéens ensemble. Je veux voir les Guinéens ensemble. Donc, partagez s'il vous plaît la famille. Moi, je n'ai pas peur. Il est temps de se dire la vérité. Si vous êtes assis là-bas, en train de voir la vérité sans dire, moi, je vais dire parce que je suis Guinéen. Je vais dire parce que j'ai mal de voir mon pays comme ça. Je vais dire parce que j'ai perdu des gens dignes dans cette situation. Je vais dire parce que on a longtemps fait du mal à mes parents guinéens. Donc, je suis là pour ça, colonel Doumbouya. Partagez ça pour que ça rentre dans son oreille. Tant qu'on est maintenant, on est dedans là. Ce n'est pas le temps des blagues. Ce n'est pas le temps des blagues. La Guinée bouge. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et avant que je descende d'abord, ce colonel Mamadi Doumbouya, toi, la fille qu'on t'appelle Brakatigi là, les RPGs, venez, je sais que c'est vous qui sont là en train de mettre tête mort. Venez m'écouter bien et vous allez la dire. Que la Guinée, c'est pas pour RPGs. Vous les RPGs, ça c'est un. La Guinée, c'est pas pour Alpha Condé, ça c'est deux. La Guinée, c'est pour nous tous. La Guinée, c'est pour nous tous. Si les RPGs ont longtemps manipulé les Guinéens, on va dire la vérité et ça va changer que vous voulez ou pas. Cet système sale que vous avez là, ça va changer. Diviser et régner, plus jamais ça. C'est ça qui est la vérité. Plus jamais ça. Je suis là, bien si que je supporte Selou Dalé, mais je suis Guinéen. Et je lui supporte parce que j'ai vu en lui que c'est un homme qui a respect pour les Guinéens. C'est un homme qui travaille bien. C'est un homme qui est sincère. Donc avec ça, je lui donne le respect là. N'importe quelle personne qui ne va pas mettre la Guinée en avance, n'importe quelle personne qui va venir nous diviser, nous les Guinéens, je vais te parler aller-retour. Je vais te parler aller-retour. C'est ça qui est la vérité. Donc, ma sœur, ta vidéo que tu as fait là, listen to me very well. Il faut maintenant, il y a tout le monde qui a brébré, il y a tout le monde qui a dit, il y a tout le monde qui a dit, il y a il n'a pas la leila le tout. Mais toi, ça ne te ressemble pas. Le nom, aïe, il faut la moi-même, ma barakatigi. Le nom là, ne te ressemble pas. Aïe, il faut la horon ne ma barakatigi. Kouma kelen fola lou, tu n'y a fola lou. Mais il est côté. Il n'y a ici là qui la vidéo menke. La vidéo que tu as fait contre Suleiman Kondé. Je vais te dire quelque chose.
Suleiman Kone et nous, on est sortis d'Anaise ici, là, contre Alpha Kone. Et je vais te dire quelque chose. On va battre Alpha Kone aller-retour. Parce que tout ce que la Guinée est dedans aujourd'hui, c'est lui. C'est lui. Il a tué nos parents. Il a trahi la Guinée. Il a divisé les Guinéens. La haine qui est aujourd'hui en Guinée, c'est Alpha Condé qui a envoyé ça. Donc on va parler ça matin, midi, soir. Ça n'a qu'à rentrer dans ton oreille très bien. On va parler ça. Et je n'ai pas peur de rien. Si tu es femme comme moi là, on s'invite en Guinée. Partout où tu veux, on s'invite là-bas. Je n'ai pas peur. Je veux le bonheur de la Guinée. Je ne vais pas m'arrêter ici pour parler et mettre mon pays à terre. Si c'est ça que Alpha Condé vous a appris là, nous, on va vous déstabiliser ça. On va vous mettre, on va vous enterrer. RPZ, RPZ, on va vous enterrer. Tellement que vous n'êtes pas honnête. Tellement que c'est le mensonge. Que vous avez construit votre chose là-dedans, vous avez fait que les Guinéens sont mal entre eux aujourd'hui. C'est maintenant beaucoup de Guinéens ont compris. C'est maintenant nos parents soussous ont compris que vous les avez manipulés longtemps. C'est maintenant nos parents peuls ont compris que vous les avez manipulés longtemps. C'est maintenant nos parents forestiers ont compris que vous les avez manipulés longtemps. Et ce système sale là, ça ne va pas continuer. Je vous ai bien dit que Alpha Condé est parti. Il va partir avec tout. Partagez-moi ça, la famille. Il est temps qu'on se dise les vérités. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur aujourd'hui. Je n'ai pas peur demain. Kurusiba Kemembo. Kurusiba Moussomembo. Bo Facebook. Je veux le bien de la Guinée. Ambe nyonani fanani aller-retour ntesilana ntesilana abake ni kurusi membo ou bien muso tafeti membo yonta ka nabonyama bo Facebook ambe nyona tafe korola detaillé un à un na ye o le fait mais jamaname atena tola e bono mabutu. Vous avez longtemps manipulé nos parents, ça va pas continuer. Ça ne peut pas continuer sous ça. Donc, au colonel Doumbouya, on sortait d'Anaise ici, partout, les vrais Guinéens, pour que Alpha Condé puisse quitter au pouvoir. Parce que tout simplement, il ne faisait pas ce qu'on voulait. Alors, si toi, tu es venu, soi-disant que tu es venu pour sauver les Guinéens, il faut préparer les élections. Les beaux discours là, on a beaucoup attendu ça. On a beaucoup, les Guinéens ont beaucoup attendu ça. Les Guinéens ont soif maintenant. 11 ans dans la souffrance, tu ne peux pas venir encore nous faire traîner. Ça ne va pas marcher. Il faut organiser les élections. Ce que le peuple veut, on lui met à la place. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Les beaux discours là, les Guinéens ont beaucoup attendu ça. Hygiène de bonbons, hygiène de biscuits, on a vu tout ça là. Donc votre plan là ne pourra pas marcher parce que Guinéen qui est là maintenant, il ne veut rien attendre si ce n'est pas le développement de son pays. Si ce n'est pas le développement de son pays. Donc, il faut tout faire. Ce que vous avez dit hier, là, on est habitué avec ça. On veut maintenant pratique. Tu dis, tu fais. C'est ça, Guinéen cesse maintenant. Guinéen ne cesse pas quelqu'un qui peut venir nous diviser. Les bons Guinéens ne cessent pas quelqu'un qui peut venir mentir.
profiter, tuer nos parents. Les vrais Guinéens n'ont pas besoin de ça maintenant. Les vrais Guinéens ont besoin de quelqu'un qui peut développer le pays là et mettre des lois que les, qui peut mériter les Guinéens. C'est ça qui est la vérité. Donc si vous, vous êtes là, vous les herpésistes, vous n'avez même pas honte. J'ai regardé une vidéo d'un jeune aussi qui disait, même parmi vous, arc-en-ciel, c'est-à-dire tellement que vous n'êtes pas honnête, même dans vos groupes là, c'est divisé en deux groupes. Quelle partie tu peux rentrer dedans ces deux groupes? Vous vivez ensemble, mais ces deux groupes, les vrais herpésistes et puis les arc-en-ciel, c'est-à-dire les arc-en-ciel qui ont accepté de vous rejoindre. Un parti qui divise les gens comme ça, là. C'est un parti comme ça qui peut développer un pays. Vous avez toujours divisé et ça est dans votre groupe là. On ne va pas vous laisser le temps cette fois-ci manipuler nos parents. On ne va pas vous laisser cette fois-ci tuer nos parents. On ne va pas vous laisser cette fois-ci mentir. Parce que c'est ça qui est votre travail. Mentir seulement. Vous ne connaissez rien sauf ça. Mentir et diviser les Guinéens. Tout ce que je peux vous dire, mes parents Soussou, l'idée que vous avez prise là, restez sous ça. Mes parents Peul, l'idée que vous avez prise, restez sous ça. Mes parents forestiers et mes parents dignes Malinké qui sont dedans. Si vous vous voyez aujourd'hui, Brakatigi s'asseoir pour parler sur Suleiman. Pourquoi moi je suis un peu fâchée contre Suleiman? Parce que c'est ça que je disais. Je dis, on est dans FNDC. D'autres sont dedans pour leur poche. D'autres sont dedans pour leur intérêt. D'autres sont dedans pour l'amour de leur pays. Pour que leur pays soit en avance. Et c'est nous ça. La seule partie que je suis fâchée contre Suleiman, quand on commence un combat, on doit terminer. C'était pas le bon moment de prendre ta route. Tu devrais attendre. Parce que tu as fait un combat qui était bien. Ça, je ne vais pas te mentir. Mais ce n'était pas le bon moment de prendre ta route. Tu devrais attendre un peu. Mais Brakatigi, je vais te dire quelque chose. On va insulter ton père là, aller-retour, parce qu'il a mis notre pays à terre. Il a divisé. Rébellion de Messanta, c'est lui qui a organisé ça. 28 septembre, c'est lui qui a organisé ça. Si nos parents guinéens ne connaissent pas aujourd'hui, je vais vous dire. 28 septembre, c'est Alpha Condé qui a organisé ça. Tout simplement parce qu'il voulait être au pouvoir. Si tu as vu qu'ils ont appelé Dadis et Sékou Ba Konaté juste pour faire passer. Parce que ça, là, ça est dans le cœur des gens. On connaît tout. Donc, le nom de ton papa, là, Brakatigi, le nom de ton papa Alpha Condé, on va parler que tu veux ou pas. Ça va être notre brosse à dents, matin, midi, soir. Je veux que ça rentre dans ton oreille très bien. Le nom de Alpha Condé, jusqu'à ta mort, même moi, mes petits-enfants, je vais leur dire, ça va être notre brosse pour nous brosser les dents. Si on veut parler les choses de ce nom, tout mal qu'il y a aujourd'hui en Guinée, c'est lui. Parce que s'il était un bon président, s'il était venu pour unir les Guinéens, toute souffrance qu'il y a en Guinée aujourd'hui n'allait pas être.
40 ans, ce n'est pas 40 jours. 40 ans, ce n'est pas 40 jours. Le président, c'est Loudalé. Même les gens ont perdu la vie derrière lui, mais les gens qui ont perdu la vie derrière lui se battaient pour leurs droits. Se battaient pour leurs droits. Ce sont les Guinéens. Ils sortent parce qu'ils ont mal. On les fait du mal. On leur fait du mal. Ils ne sont pas heureux dans leur propre pays. Et quand tu n'es pas heureux dans ton propre pays, tu es libre de sortir, réclamer ce qui ne te plaît pas. C'est ça qui est la vérité. Ce qui ne te plaît pas. Donc je vais vous dire, mettez l'eau dans vos vins, vous les herpésistes. Mettez l'eau dans vos vins. Vous êtes déjà morts. Ça reste seulement que de vous enterrer. Donc la force que vous voulez venir prendre encore pour venir, vous n'avez plus maintenant la force là. Parce que nos vrais parents soussous ont compris votre manipulation. Nos vrais peuples ont compris votre manipulation. Nos vrais forestiers ont compris votre manipulation. Certains de nos parents forestiers, quand ils leur demandent aujourd'hui, ils disent que 28 âmes-là, les peuples ont été à la base. Parce que tout simplement, Alpha Condé a mis palabre entre les malinqués, et les sauges, les peuples et les forestiers à cause de 27 âmes-là. À cause de 27 âmes-là. Et pourtant, c'était son plan de diviser les uns. Il faut être un bon Guinéen pour comprendre la partie là. C'est ça que je dis à certains de mes parents. Je dis ne parle pas parce qu'on a quelqu'un qui est venu nous diviser. Ce qu'il va dire par là, ce n'est pas ce qu'il va venir dire par là. Et tellement que vous, les RPJ, c'est votre travail. Regardez ce que vous venez de faire tout dernièrement là. Parce que vous avez vu que cette fois-ci là, vous avez fait votre manipulation là, mais cette fois-ci là, ça ne peut pas marcher. Vous voulez encore mettre palabre là entre les peuples et les soussous. Allez prendre Kassouri. C'est pourquoi Dieu ne dort pas. Parce que quand vous allez durer dans quelque chose là, il vous donne une idée seulement qui peut vous exposer devant les gens comme ça. Donc c'est là-bas que vous avez essuyé. Dieu vous a présenté quelqu'un qui est sale dans sa communauté, quelqu'un qui manipule sa communauté à cause de vous. Vous voulez mettre encore cette personne-là à la tête qui n'est même pas aimée à les Guinéens. Qui a travaillé avec votre satanique Alpha Condé. Leur plan on fait que les Guinéens ont souffert. C'est les Guinéens qui sont fous, les vrais Guinéens qui sont fous, qui vont partir voter à Kassouri. Donc, ce que je veux vous dire là, enlevez vos bousses là dans l'affaire du pouvoir là d'abord. L'argent que Alpha Condé a volé pour vous donner. Allez-y manger ça. Allez-y manger ça. Mais laissez-nous dans notre souffrance là. Comment on peut faire pour se rattraper. Pour que les autres pays nous voient aussi en avance. Parce que vous n'êtes pas là pour arranger. Vous êtes là pour profiter. Vous les herpésistes, vous êtes juste là pour profiter.
vous n'aimez pas la Guinée. C'est ça qui est la vérité. Donc moi, je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas peur. Il y a parmi les gens qui sont dedans qui me connaissent. Je n'ai pas peur. Je veux le bonheur de mon pays. Je veux que mes parents profitent ce qu'ils ont là-bas. Vous refusez de construire le pays, profitez, venez vous coucher ici, en train de mettre feu à nos parents pauvres. Mais c'est Dieu qui va régler vos comptes. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, tout ce que moi je peux te dire, il faut organiser les élections. Le Guinée a souffert. Le Guinée n'a plus le temps pour les beaux discours. Le Guinée n'a plus le temps. C'est-à-dire, il a tout vu. Ce que le Guinéen veut maintenant là, c'est développer le pays. C'est ça qui est la vérité. Donc, arrêtez de nous faire tourner autour du pot. Ce que nous, on veut là, faites ça pour nous. C'est ça qui est la vérité. Donc, toi, Brakatigi, tu fermes ta gueule là. Tu fermes ta gueule là. Et laissez les autres parler pour que le pays là aille en avance. On ne va pas laisser Alpha Condé. On va parler le nom de Alpha Condé, que tu veux ou pas. Il n'a pas été un bon président, il n'a pas été. Si c'est ça que vous ne voulez pas attendre. Vous avez tout fait pour lui laisser aller s'asseoir, en train de vous manipuler, comment vous allez marcher. C'est-à-dire, vous avez tout fait pour que Alpha Condé par s'asseoir là où il est, pour qu'il puisse vous guider sous ces sales comportements-là. Comment il peut vous apprendre encore de plus, c'est-à-dire fatiguer nos parents. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, colonel Doumbouya, quand tu as laissé Alpha Condé sortir, c'est là-bas, moi, j'ai quitté derrière toi. C'est là-bas. Vous êtes là à enfermer des gens innocents. Laissez des gens qui ont mis le pays là en retard. S'il vous plaît, organisez-nous l'élection. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc la famille, partagez ces vidéos pour qu'ils puissent rentrer dans leurs oreilles. Et nous tous qui se bat pour le bien de la Guinée, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. Il ne faut pas qu'on laisse personne nous diviser maintenant. Il ne faut pas qu'on laisse personne nous diviser. Votons pour quelqu'un qui peut nous avancer. Pas quelqu'un qui peut nous tirer encore derrière. Soyez intelligents. Trop, c'est trop.